ce falsificateur de l'histoire m'est insupportable. Entendre, je ne croyais pas entendre des choses comme celle-là encore pendant ma vie. Nier l'évidence, c'est terrible. Dire que le maréchal Pétain n'est pas responsable, ça me met hors de moi. Oser dire cela. Pétain et Laval et tous ces sbires, c'est bien eux qui ont organisé la rafle du Vélib et toutes les autres rafles. J'ai été arrêtée 2 fois par la police française. J'ai jamais vu un Allemand. Et vous étiez française ? Et j'étais française. Tous les enfants qu'on a arrêtés pendant la rafle du Vélib étaient presque tous français. 4000. Voilà, 4000. Ça me met hors de moi. Un négationnisme, c'est du révisionnisme. Et je vais me battre jusqu'au bout de ma vie contre cela. C'est insupportable. Laurent Joly s'est installé sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et auteur de ce livre dont on parle beaucoup en ce moment, « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite 1940-1944 », c'est chez Grasset. Dans votre livre, « Place à l'histoire », vous rappelez que sur 6 Juifs français de 1940, un seul sera déporté. C'est à peu près 3 fois plus pour les Juifs étrangers. Ça, c'est une réalité historique que vous expliquez. Est-ce que ça veut dire, je me fais un peu l'avocat du diable ici, comme le disent certains, que Vichy, Pétain ont particulièrement protégé les Juifs français ? Alors, la manière dont Zemmour falsifie les faits part toujours d'une réalité, on va dire, qui peut être vraie. Effectivement, en France, il y a moins de Juifs français qui ont été déportés que de Juifs étrangers. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que Vichy a protégé les Juifs français ? Et surtout, est-ce que si Vichy n'avait pas mis sa police à disposition de l'occupant, est-ce qu'il y aurait eu plus ou moins de Juifs déportés ? Donc c'est évident que si Vichy n'avait pas mis sa police au service de la politique nazie, les policiers allemands, il y a quelques milliers de policiers allemands, à Paris vous avez 16 000 gardiens de la paix, le service d'affaires juives de la Gestapo c'est 10 personnes, 10 agents, dont la secrétaire, le balayeur, etc. Donc, très clairement, les Allemands n'avaient pas les moyens de mettre en œuvre par eux-mêmes les arrestations. Donc, ils avaient besoin de la police française. Et contrairement à ce que dit Éric Zemmour, la convention d'armistice, on sait, la France est occupée, les conditions sont dures, une partie du territoire est donc occupée, les 3/5. La convention d'armistice ne permettait pas à l'occupant d'exiger la livraison de femmes, d'enfants, les enfants français. Donc il fallait pour les Allemands négocier. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Vichy. Et Vichy, à l'été 1942, Vichy ne mène pas une politique de moindre mal. Vichy mène une politique de collaboration et Vichy mène une politique antisémite. D'où ce deal monstrueux, ce qu'on appelle les accords entre Bousquet, le chef de la police de Vichy, et les autorités allemandes, qui en juin 1942 exigent soudainement la livraison de 40 000 juifs. Alors Vichy dit « D'accord, on va vous donner 40 000 juifs, mais on va les choisir, nous. Et on va vous donner aussi des juifs de zone libre que vous ne réclamez pas. Donc on va vous donner les juifs que vous voulez, 40 000. Et on va, nous, opérer, parce que c'est l'enjeu de souveraineté. » Donc voilà ce qui s'est passé. Donc à l'été 1942, Vichy mène une politique qui n'est absolument pas une politique de sauvetage des juifs français. Et c'est si vrai que, effectivement, pendant la rafle du Vélib, on a arrêté 3 000 enfants français. Jamais Vichy n'a livré plus de juifs français que pendant la rafle du Vélib. Donc vous voyez que la protection des juifs français... Mais vous voyez, j'aime pas tellement utiliser cet argument des juifs français parce que les juifs polonais, les petits-enfants polonais, ils étaient eux aussi scolarisés, ils allaient à l'école. Donc ils sont... Vous voyez, donc c'est... On tombe toujours un petit peu dans le panneau, dans le piège aussi de la rhétorique de Zemmour. D'autant que la France et le régime de Vichy, très tôt, décident de retirer la nationalité française aux Juifs qui l'avaient obtenue récemment. Alors là, vous voyez, là, ça fait partie aussi de ces erreurs. Et Zemmour joue des erreurs. Parce que, vous savez, le problème aussi, c'est aussi un problème des médias. C'est-à-dire que à chaque fois que, quasiment, que je regarde une émission, que j'écoute une émission à la radio ou à la télé, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Vichy est responsable de tout. On a l'impression que Pétain est pire qu'Hitler. Et donc, du coup, c'est très facile pour Zemmour de prétendre qu'il connaît mieux l'histoire que ses interlocuteurs. Ce qu'il écrit
dans son dernier livre. C'est-à-dire pour ça qu'il ne veut pas débattre avec Arnaud Clarcel, parce que là, il sait qu'il se ferait ratatiner. Mais voilà, donc il joue aussi d'une ignorance. Et Rachel, on a travaillé ensemble pour un documentaire, et ce matin, j'ai discuté avec le réalisateur, qui était comme vous, parce que ça fait quand même longtemps, persuadé qu'on avait retiré la nationalité française. Ben non. Vichy a créé une commission de révision des naturalisations et procédé au cas par cas. Alors, de manière très juridique, très bureaucratique, ce qui fait qu'au final, on a retiré la nationalité française qu'à, entre guillemets, que quelques milliers. Mais malgré tout, et ce que je disais ce matin à David Kornbrosa, mon ami réalisateur, même si on a eu que 100 pendant la rafle du Veldiv, qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient été dénaturalisés par Vichy, ça suffit, enfin, oui. On n'a pas besoin d'imaginer. Alors. Donc effectivement, Vichy n'avait pas le projet de déporter les Juifs français. D'ailleurs, pourquoi Vichy aurait voulu déporter des Picards, des Lambert, des gens qui de toute façon étaient placés dans une situation de sous-citoyens avec le statut des Juifs. On va y revenir justement. Et en revanche, Vichy avait l'intention de se débarrasser des étrangers, mais aussi des naturalisés. Et naturalisés, c'est-à-dire les gens qui étaient devenus français depuis la loi de 1927. Il y avait une loi généreuse de naturalisation. Donc ça, c'était ça, la politique de Vichy. Et s'il n'y avait pas eu les protestations de l'été 1942, où il y a eu, surtout en zone libre, des évêques qui ont protesté, il est clair que les naturalisés devaient suivre. Et les naturalisés devaient suivre, et ils n'ont pas suivi. Parce qu'à l'été 1943, les Allemands sont revenus à la charge. Vous nous avez promis les Français naturalisés, est-ce que vous voulez nous les donner ? Laval a signé un décret. Donc effectivement, il y a bien eu un décret qui a été signé, mais il n'est pas paru au journal officiel, parce que les Allemands ont mis leur veto. Et puis, parce qu'ils disaient, si on le met, les gens vont fuir dans la nature, on ne pourra pas les prendre. Et au moment où ils sont revenus en disant, bon alors, ces rafles, la Vichy, Laval, alors même que le pays, depuis novembre 1942, est entièrement occupé, la Vichy a dit non. Vichy a dit non, Laval a bien vu, il y a eu Stalingrad, Mussolini a été renversé en Italie. Là, il a dit non. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont annulé. Ils ont annulé les opérations. Ce qui est donc la preuve qu'en 1942, il y avait des marges de manœuvre, oui, que Vichy n'a absolument pas utilisées. Et ce que vous racontez dans votre livre, c'est que progressivement, si la guerre avait duré quelques mois de plus, vous dites que là, les Juifs français seraient partis massivement parce qu'il y avait plus ces garde-fous, ces capacités-là. Oui, tout à fait, la dynamique que l'on voit. De toute façon, les Allemands, d'eux-mêmes, avaient l'intention de prendre d'abord les Juifs français. C'est une politique, on va dire, stratégique, psychologique. On commence par les étrangers. Et à partir de l'été 1943, on prend les étrangers. Voilà la politique nazie. C'est ce qui se fait, mais pas par des grandes rafles. Il va y avoir assez peu de grandes rafles, parce qu'effectivement, Laval, Vichy est réticent à ce moment-là, même s'il y a des rafles à Bordeaux, notamment en juillet 44. Mais effectivement, on voit que dans la dernière année, ce sont les Juifs français qui sont majoritairement arrêtés. Il y a donc une dynamique qui était enclenchée. Dans votre livre, il y a une citation passionnante de Lucien Vidal-Naquet, qui écrit son journal. Et en janvier 1943, on est vraiment dans des débats en pleine guerre, qui sont des débats qui malheureusement résonnent aujourd'hui. On va lire ce qu'écrit Lucien Vidal-Naquet dans son journal intime en janvier 1943. « Certains persistent à déclarer qu'il ne s'agit que de mesures normales n'ayant affecté que les étrangers. » Et il précise, c'est faux, matériellement faux, comme vous venez de le faire, de la fausseté la plus criante. J'ajoute que si cela était vrai, le crime n'en serait pas moins éclatant. C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure, le piège de Zemmour, de différencier les uns et les autres. Absolument, et ce qu'il faut regarder, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu agacé, parce que tout le monde a réagi sur Pétain à protéger les Juifs français. Mais le vrai scandale, enfin, c'est un scandale aussi, mais ce qui est vraiment scandaleux dans les propos que Zemmour a tenus récemment, c'est la manière dont il a condamné les propos de Jacques Chirac, avec une rhétorique qui est proprement délirante et paranoïaque, en disant qu'en fait, le fait que le président Chirac ait reconnu en 1995 la responsabilité de l'État français, eh ben, c'était une manière de culpabiliser le peuple français pour qu'on se laisse envahir par les étrangers et par l'islamisme. Enfin, c'est vraiment délirant. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.